Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine d'entraînement à la maison et on débute aujourd'hui avec une séance assez longue où vous allez avoir besoin d'une charge. Donc prenez un poids, prenez une dumbbell, une kettlebell, un sac lesté, vous pouvez prendre un sac de granulés, un sac de course, peu importe du moment, c'est une charge qui vous challenge pour faire du rowing et des thrusters avec. On démarre avec l'échauffement et pour cela, 4 tours, 30 secondes par exercice et on débute avec 30 secondes de départ. C'est une forme de bear crawl mais en gardant les jambes pliées pour bien faire travailler les quadriceps. On poursuit avec du crawl Superman, je l'ai appelé comme ça parce que on va simuler du crawl à la piscine, mais en position Superman, donc le buste et les jambes relevées, les fessiers bien contractés pour travailler tout le dos et toute la chaîne postérieure. On poursuit avec 30 secondes de strict press avec votre objet. Et on termine avec des reverse lunge sans charge. La séance du jour est un AMRAP de 20 minutes. Donc maximum de tours et de répétitions pendant ce temps donné. J'ai voulu vous introduire aujourd'hui des exercices qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc je vais donner à chaque fois des options en fonction de vos possibilités, mais aussi de ce que vous avez à la maison. On commence avec 8 object rowing, donc du rowing, du tirage avec l'objet choisi. Pour ceux qui ont une table suffisamment solide, vous allez faire du reverse rowing. C'est une sorte de petite traction. Et pour ceux qui ont un escalier ou une barre de traction à la maison, eh bien ce sera 4 strict pull-up. Faire monter un petit peu votre cardio suite à ça, on va faire 8 burpees. On termine avec 8 lunge thrusters. J'espère que cette séance va vous plaire, qu'elle va vous permettre de sortir de vos habitudes. N'oubliez pas, il faut continuer à bouger, à vous entretenir, à travailler vos faiblesses et ça peut se faire à la maison. Nous, on se dit à très vite et je vous souhaite une belle journée. Salut !